n'y a pas beaucoup de routine ici. Il n'y a pas de routine. Ah non, non, non. On ne sait jamais ce qui est fait demain. Un coup d'orage, voilà, il faut aller déboucher les fossés. Coup de tempête, des arbres tombés. Ouais. Enfin, voilà, une panne dans un bâtiment, une canalisation qui tombe, voilà, il faut y aller. On se programme dans notre tête un programme d'une semaine, mais il n'est jamais réalisé. Et puis, on est quand même très tributaire de la météo, donc on prévoit de tondre demain, manque de peau, il pleut, des cordes, voilà, c'est, la tondeuse elle restera dans la remise. Donc on fera autre chose, on ira dans le bâtiment, il y aura toujours quelque chose à faire, il y a... Enfin, voilà, Et le regard qui est bouché? Apparemment, ça coule, mais pas beaucoup. Il y aura quelques branches en travers, et du coup... Dans le fond. Dans le fond. Mm. Il y a là la métairie, qui m'a dit. Métairie, c'est chez Mandray. Mandray, ouais. Donc vous avez fait le curage. Apparemment, il y a un souci auprès de la départementale. Ah ouais, ouais. Dans ce métier, ce que je préfère, je te disais tout à l'heure, c'était surtout la diversité, quoi. Jamais être sûr de ce que tu vas faire demain, quoi. C'est être à l'écoute souvent de monsieur le maire ou des secrétaires, disant coup de téléphone, Eric, il faut aller là-bas, Eric, il faut aller réparer quelque chose à la résidence. Donc c'est intéressant. Des fois, c'est pas facile pour mes collègues parce que ils me voient pendant 5 minutes et puis je pars une demi-journée faire autre chose. En gestion de travail, c'est pas des fois tout le temps évident. Mais pour moi, c'est vachement intéressant parce que tu touches à tout en fait. Il y a beaucoup de taille à faire dans le village. Ouais, il y a pas mal. Ouais. Oui. On a pris un petit peu d'avance, en espérant qu'il fasse pas trop froid après. Il n'y a pas une préférence, c'est l'ensemble. Tout ce qui est création, c'est intéressant. Créer un massif, un gazon. Après, tout ce qui est taille, c'est intéressant aussi. Là, je regardais tout à l'heure, j'ai taillé ici, ça fait un mois et demi que j'ai taillé. Là, je regardais tout à l'heure, est-ce que ça redémord? Là, ah oui, je vois que ça redémord par rapport à mes coupes. Est-ce que je suis bon, je ne suis pas bon? Voilà, donc il n'y a pas une chose particulière que j'aime dans mon métier. C'est là, d'ici 15 jours, 3 semaines, je commence à faire mes semis. Donc là, c'est intéressant, on fait ses semis. Hop. On surveille, ça lève pas, allez, c'est parti, c'est levé, après on va faire le repiquage. Voilà, c'est l'ensemble, moi, qui contact de végétal, de la terre, et puis ben, être dehors, quoi. C'est... Bonjour Manu. Ah, salut Eric. Voilà. Donc voilà le prototype des nichoirs qu'on avait validé. Ah oui, d'accord. Ouais. Pour les vacances. Avec des enfants. D'accord. Donc, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable pour vous? Bah oui, je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Vous aurez chacun une partie comme ça avec les planches qu'Eric a préparées, d'accord? Et le but du jeu, vous, ça va être de les assembler pour au final faire votre nichoir. Ça va donner ça à la fin. On fait un peu tout quoi, c'est ça qui est bien. Voilà. Même de la pédagogie. Pour nichoir, voilà, un exemple bien. Manu me dit, tiens, voilà, j'ai envie de faire une activité avec les enfants, qu'est-ce que tu me proposes? Voilà, on peut faire un nichoir, on peut faire des mangeoires. Donc cette année c'était des nichoirs, on a fait des hôtels à insectes. On essaie de garder une continuité quoi. Oui. Là moi donc les nichoirs ont été faits, les oiseaux ils vivent où dans les arbres. Donc normalement ce sera début avril, donc on ne sera pas trop tard pour planter. On risque de planter un arbre avec des enfants. Attends. Quand je dis que c'est pas bon, on y va pas, d'accord? Allez, ouais, ce qui est surtout intéressant, c'est que quand on intègre les enfants dans nos travaux,
des enfants, en fait, on a l'impression qu'ils sont plus respectueux de l'environnement. On n'a jamais de dégradation ici. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une petite commune rurale? Ou est-ce que parce qu'ils savent que c'est Jean-Paul et Eric qui sont dans le service Est-ce que c'est un respect? Je pense que oui, hein, il y a un petit peu de ça qui joue. Quoi. Et là, cette année, il y a eu une idée de M. le maire, qui je trouve que c'est sympa. Donc, c'est des jeunes qui vont venir pour faire de l'argent de poche. Ils vont venir faire quelques tâches avec nous. Donc, ça va tourner un petit peu. Donc, on va les mettre soit faire un petit peu de désherbage. Bon, il y a du mobilier, là, les bacs, là, je disais ça, au petit coup de l'azur. Donc, on les mettra à poncer les bacs. Voilà. Donc, c'est bien d'intégrer les jeunes aux travaux qui sont faits par la collectivité. Ça les responsabilise. Et puis, bon, je pense que ça leur donne une petite fierté. Oh, bah, tiens, ça, c'est moi qui ai planté ça. Oh, tiens, c'est moi qui ai nettoyé ça. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils respectent le cadre de vie de l'ensemble. Alors, qui est pour le jaune? Lève la main. Moi. Ici. Bon, on applaudit. On va aller en mettre un autre dans l'arbre. Ah, on connaît tout le monde, en fait. Donc, quand on s'arrête, on dit bonjour, on dit au revoir, et on discute, on échange. On parle de la pluie du bon temps, l'événement qu'il y a eu dans le coin, puis voilà, quoi. Puis on continue, quoi. Un conseil ou deux, des voilà, fois. Ouais, des conseils, ouais. Ah bah tiens, j'ai une plante qui souffre, qui a tel symptôme, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Puis voilà, on échange comme ça. Et des fois, on voit personne de la journée. Oui. Surtout l'hiver. Thérèse, va bien? Bonjour, je pense. C'est ce que dit Monsieur le maire, bien souvent, c'est qu'on a un lien social aussi avec la population, quoi. On est les premières remontées de critiques et de positifs aussi. Les gens, ils passent, ils disent « Oh, bah, c'est joli ce que vous avez fait » ou « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez mis ?» Donc, c'est le premier rempart de la mairie aussi. Bon, bah oui, tout gamin, j'étais déjà chez les parents, on faisait le jardin, on allait chez les voisins, j'allais tourner plus, j'allais tailler les fruitiers. Donc, ouais, j'ai toujours fait ça, un petit peu. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai choisi mon métier, d'ailleurs. Être dehors, faut que je sois dehors. Puis observer la nature. Tiens, on voit que ça bourgeonne, ça monte, selon les rythmes des saisons. Je trouve qu'on a les produits phyto, à un moment de temps, on en a, je pense, abusé un peu de trop. Et puis là, on est en train de faire machine arrière et donc on essaye de travailler avec zéro phyto. Donc, surtout au niveau herbicide, c'est un petit peu plus compliqué pour nous parce que donc ça veut dire plus de binage, plus de travail manuel, quoi. Et pour toi, ça fait sens de la préserver, cette nature? Ah bah oui, parce qu'on a quand même on a des espèces animales qui disparaissent quand même. Hein. On voit de moins en moins de dans les oiseaux, là, je vois cette année, là, les merles, on n'en voit pas beaucoup. On sent que ça change. Il faut essayer de prendre conscience de ça. Il est temps d'agir. Il est temps. Après, voilà, c'est changer les méthodes, changer les mentalités, ça va être un gros, gros travail. Gros, gros travail. Mais on va essayer d'y venir. J'espère. On va faire sortir la route de carbone. Oui, mais... Maintenant, on a une commune avec un label 4 fleurs. C'est bien de l'avoir, mais il faut surtout le conserver. Donc ça commence à... Ça met une pression un petit peu, en particulier à Jean-Paul. Mais t'inquiète pas, ça le fera, il n'y a pas de souci. Si on met un comité, c'est surtout aussi pour préparer le passage du jury en 2020. Il n'y a rien d'étonnant en ça. Et c'est surtout aussi de renforcer des actions pédagogiques. Donc, du coup, l'éco-citoyen, c'est un membre collectif qui s'est installé avec Monsieur le maire, qui a incité des jeunes retraités à venir participer à des sentiers participatifs, comme ça on dit. Du coup, là, on avait aménagé le lavoir il y a l'année dernière. Et cette année, on fait un éco-pâturage. Donc, on les invite à une réunion. On leur dit le projet qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on veut faire. S'ils sont d'accord de venir avec nous, et puis après, on les intègre dans le projet, ils viennent faire le grillage, et puis plus tard, ils disent, bah, nous, on a été faire ça, ou ils viennent avec du monde, on a amené des moutons, on a amené ci. Donc ça les intègre dans les projets, quoi. Nous, en interne, on ne pourrait pas tout faire, en fait. On ne pourrait pas aller faire un parc avec, mettre des grillages. Bon, on le ferait, mais on délaisserait d'autres choses. C'est des gens qui ont du vécu, en plus, donc voilà, ils ont...
leur idée aussi sur ce que, la façon de faire. Ça permet, c'est un moment d'échange, je trouve. Hein, c'est intéressant. Si jambes de force, il faut qu'elles rentrent en force. Une pointe dedans, c'est terminé. À midi moins le quart, apéro. Mmh. Okay. J'ai bien, oui, bon programme. C'est un bon programme. Oui, tout le monde a oui, dit. Tout le monde est d'accord. Oui, eh ben nous, on n'est pas contre. Hein. Pas d'objection. Adopté. On attaque le grillage. On va attaquer où on a commencé, dans l'angle là-bas. On attaque le haut là-bas. À descendre. J'ai deux rouleaux là-bas. Les crampons. Non, bah, n'allez pas trop vite non plus, hein. Je ne vais pas me retrouver avec un problème, une grève. Ou... Les quatre fleurs, c'est vraiment un ensemble, c'est pas que la fleur, la plante elle-même. Hein. C'est... L'avoir, c'est très bien, après maintenant, il faut la garder. Hein. Et c'est pas que les espaces verts, c'est tout un ensemble. La tonte différenciée, tout ce qui est la biodiversité, donc le rucher qu'on a en place, les prairies fleuries, là, l'éco-pâturage, tout ce qui est pédagogique avec les enfants. C'est la vie le bien-être des citoyens, voilà. Tout est pris en compte, tout. On peut aller travailler dans une collectivité où il se passe peu de choses, en fait. Il n'y a pas de concours, l'entretien sera toujours le même, mais il y a une routine qui s'installe. À Missarac, on sait qu'on a un petit défi tous les 3 ans, en fait. On avait les jurys régionaux, on a eu les jurys départementaux avant, et là, maintenant, c'est national. Donc, on sait que dans 3 ans, on reçoit du monde dans la maison, il faut que ce soit propre, quoi. Il faut que ce soit propre, ouais. Il faut que ce soit taillé, il faut que ce soit prêt pour le jour J, quoi. Donc c'est un peu stimulant, quoi. Et là on y est, là. Nous, oui. Déjà on fait des plantations, on prépare pour 2020. Hein. C'est pas la baguette magique, hein. Pouf. Non, c'est un gros challenge. Faut le jury l'année prochaine, juillet 2020. Donc on va tout faire pour la garder. Hein. C'est la première pour toi. Ce sera la première pour moi en plus, donc mon collègue l'a eu. J'espère lui faire honneur en la gardant.